Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est le pasteur Dr. William, le missionnaire mondial interplanétaire. L'homme qui bénit le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur est bon. Hier, nous étions en train de prier pour effectivement pour les élections. Et les choses se sont très très bien déroulées, pas pour les élections, pour notre président. Parce que il devait prendre maintenant les choses en main. Et tout s'est très bien déroulé par la grâce de Dieu. Alors, on priait pour ce moment, pour que les choses puissent très bien aller. Je l'ai félicité personnellement. Vous savez, et moi je suis le conseiller spirituel. Je suis le conseiller en matière spirituelle. Vous comprenez? Donc nous sommes là pour ce qui est du spirituel. Ce n'est pas quelqu'un que nous connaissons quand il était... Non. Papa, tu viens en chemin de tomber là. Je ne peux pas comprendre. Maintenant, tous les prophètes des malheurs qui ont prophétisé les malheurs contre notre pays, les gens qui n'aiment pas notre pays. En tout cas, on ne va pas dire honte à vous, on ne va pas dire quoi que ce soit, vous avez besoin juste de l'imposition des mains pour chasser tous ces mauvais esprits, de la terreur, de mensonges. Vous avez été des faux ouins. Et faites attention, je crois que chacun a prophétisé sur ce qui va lui arriver. Les personnes qui ont prophétisé les mauvaises choses contre notre président, ils ont prophétisé sur eux-mêmes. Ils ont prophétisé sur elles-mêmes. Et c'est comme cela. Absolutely right. I'm telling you truth. Donc tous ces gens-là, ils ont prophétisé sur eux-mêmes. Et c'est compliqué, ça va arriver sur eux-mêmes. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que les choses se sont très bien passées. En tout cas, que Dieu vous bénisse. L'autre chose, j'aimerais ajouter quelque chose pour dire que les chants qu'on a chantés dans le monde, Wapiye, parce que j'ai voyagé le monde entier dans un mois, en 2023, au mois de décembre, j'étais Argentine, Chili, Pérou, Japon, Malaisie, ceci, cela, tout ça, Australie, on était partout, Canada, partout États-Unis, partout, on était là-bas pour prêcher la parole de Dieu. On a baptisé les gens, on a marié les mariés, on a fait de très bonnes choses. Et les gens ont chanté les chants. Les gens étaient scandalisés en disant, non, il a pris des sœurs, ceci, ceci. Non, ce n'était pas des sœurs. Allez essayer aussi de faire cette chose-là comme cela. Vous ne pouvez pas prendre des gens et dire, ah, mes sœurs, voilà, nous avons la politique chez nous. Bon, ils ne connaissent même pas ceux qui sont en train de chanter. Ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a d'abord un bon cœur. Quand vous voyez quelque chose comme ça, priez pour votre frère, un point, un point. Les chants, Wapiye, c'est Marc 16. Ça dit que le diable a échoué. Satan est un menteur, il n'a pas aucun pouvoir. Où est-il? Il a fui. Voilà ce que veut dire le chant Wapiye. C'est ça. Donc nous, on continue à chanter notre chant au niveau de notre église. Ça n'a rien à voir avec des individus, avec des personnes au niveau du Congo. Le reste, ça c'est votre fausseté à votre niveau. Donc, hier, les gens étaient en train de m'appeler. « Révérend, tu vois ce que tu avais chanté là ?» Je ne veux plus entrer dans cette polémique-là. Là-dedans, je ne suis plus pour rien. Je ne peux pas entrer dans tout ce qui concerne la politique. Je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un pasteur, je suis un croyant, je suis un missionnaire mondial. Mon travail, c'est de prier pour mon président. Moi, je prie pour le président. Je suis conseiller en matière spirituelle. Un point, un trait. Nous sommes des amis, on se connaît depuis longtemps. Mais je ne peux pas être là parce qu'on se connaissait. Et puis, j'ai dit, bon, regardez. Non. Papa, tout le monde est bien.